aura duré jusqu'aux dernières secondes. Saint-Étienne a remonté son handicap, l'arbitre regarde sa montre. Les Hollandais font une dernière tentative, mais Malika, toujours lui, l'âge en touche. 3, 0, personne ne voyait. 1, 0. Ça y est, 3-0. Je ne dis rien de plus, 3-0. Qu'est-ce que ça bouffe, ça, 3-0? Quand t'es nul, t'as nous dit que le ballon était pas rond. Ça s'est déjà vu en 67. Et une bouteille de whisky, une. C'est pas une bonne nouvelle, c'est 3-0. J'en ai une bien meilleure, moi. La cargaison est à moitié bouffée par des rats. Ah ouais, allez, arrête, tu vas me faire rire. Mon station sans blague, demande au cuistot. Le commandant en personne, descendu dans les cales. Il n'a pas eu peur de se salir? Non, je t'assure, c'est vrai. Bah arrête, on a été désaffecté à Montréal. Tiens, regarde. Tu paries une bouteille? Des frappes de souris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats? C'est pas des rats, c'est des insectes. D'où ils sortent? Le BOA a été violemment attaqué cette semaine sur le banc de l'ONU. Il semblerait que votre organisation ne fonctionne pas parfaitement, et notamment qu'il y ait des retards dans le programme d'aide. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, je voudrais rappeler que le Bureau omni-national de l'alimentation a été créé il y a 4 ans sous l'égide de l'ONU. Notre rôle consiste à redistribuer les richesses des pays nantis, donc de venir en aide aux pays sous-développés et notamment des pays en crise. Monsieur Allaire, certains pensent que votre action, si généreuse soit-elle, serait quand même dans les limites de la charité. Qu'en pensez-vous? Je vous répondrai par des chiffres. Notre organisation a distribué dans la seule année de 78 plus de 80 millions de tonnes de céréales. C'est peut-être de la charité, mais cela nous a permis de faire vivre des millions de gens. Oui, je tiens quand même à préciser que ces 80 millions de tonnes dont vous parlez ne représentent que 0,5%, je dis bien 0,5% de la production des pays riches. Vous avez raison. Mais la BO n'est pas un État producteur de céréales. Nous ne sommes que l'intermédiaire entre les pays riches et les pays pauvres. Bien, d'autre part, il semblerait que, pendant l'année 78 dont vous parlez, sur les 80 millions de tonnes acheminées vers les pays pauvres, seulement 36 millions auraient réellement été distribués aux nécessiteux. Je ne sais pas si vos chiffres sont exacts. Mais ils le sont, ils le sont. Signor John Mark. Buongiorno Maria. La signora non c'è? Se n'è andata alla città a mangiare. E Joel dov'è? Deve parlare alla televisione, lo chiamo? No, no, vado io. Ah Maria, ho bisogno di qualche affare. È possibile da prepararmi una piccola valigia? Subito. Grazie. Paglioni. Sei muove, ça va? T'es un vrai insomniaque, toi. Monsieur Allaire, certains pensent que notre action a fait 10 000 morts. Mais non, tu vas pas t'y mettre aussi, toi. Tu reviens à la maison? Non. Bah, je reviens la semaine prochaine, comme d'habitude, dimanche. Je t'ai apporté un cadeau. Ça te plaît? Ouais. Je veux venir avec toi. C'est pas possible, je sais bien. Faut que tu restes ici, avec ta maman. Il faut qu'on s'y habitue tous les deux. C'est difficile. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Elle m'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup. C'est pas toi qui es obligé de te laver les mains. Alors fais-le pour moi. T'as qu'à rester ici, allez, fais-le pour moi, toi. Pourquoi tu te sauves? Je me sauve pas. Si tu te sauves. Lundi 13 juillet, point à midi. Latitude 3 degrés nord, longitude 73 degrés est. Haute 42 degrés sud. Carl, appelez le Caire, je veux Saoussan en personne. Alors, la bouteille. Ouais. signalé par le Bosco présence des insectes dans la cargaison. Descendus dans les cas numéro 1 et 2 prélevaient des échantillons de blé. Nous n'avons pas réussi à identifier l'insecte. Leur présence à bord, après les contrôles sanitaires de Montréal, me paraît incompréhensible. Salut. Ah, je te prie de bien vouloir m'excuser, Allaire, si je ne me suis pas fait annoncer, mais je n'ai trouvé que des bureaux vides. Tout le monde est parti en vacances. Tout le monde, sauf Jeannette, évidemment. Mmh. Mais elle reste fidèle. Ma secrétaire à moi fait le pont depuis 8 jours. Le chef des services de transport en personne. Si c'est pour me proposer une partie de tennis, je suis d'accord. Si c'est pour m'annoncer une tuile, j'hésite. Eh ben, je crois que la partie de tennis sera utile pour faire passer la tuile. J'ai reçu un coup de fil du Caire. Du Caire, carrément? Oui. Saoussan, de la UIM. Ça l'emmerde, mais cette fois-ci, ça m'a l'air sérieux. Il s'agit d'une cargaison de blé en route pour le Wadi, dans le cadre de l'aide que nous avons organisée. Tu l'entends? Oui, continue, j'entends. Ils viennent de s'apercevoir, en plein océan Indien, que la cargaison avait été attaquée par un insecte et que plus de la moitié est contaminée. Et le contrôle habituel au chargement? Bah, ils ont dû être faits. J'en sais pas plus. D'où venait la cargaison? Montréal. Tu fais un jus de goyave? Ah, avec plaisir. Tu donnes dans l'exotisme? C'est très embêtant, ça. En fait, on n'a jamais eu de cargaison canadienne contaminée. Ben oui, mais les faits sont là. L'armateur, naturellement, veut être déchargé de toute responsabilité. L'assurance mise à part, il sait pas quoi faire avec la cargaison. C'est pour cela que je l'ai prié de te téléphoner dès qu'il en sera plus long. Si vous aviez à remplacer la cargaison, ça serait une sacrée complication. C'est pas un cadeau que tu m'apportes là. Hein? Quelle nouvelle du Wadi? Quelle nouvelle? Regarde les journaux. L'horreur. Le massacre. Les discussions pour la fin des hostilités sont tombées à l'eau. 12 millions de bouches à nourrir et le désert tout autour. Ouais. Rien de nouveau, quoi. Dis donc, et ça, c'est... C'est Joël? Oui. Oh, c'est incroyable ce que les mômes peuvent changer, dis donc. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser aller. Oui, Jeannette? Voici votre rapport sur le botulisme. Merci. Vous en remettez un à mademoiselle Curtis, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Ah bon? Je vous prendrai jamais en défaut, hein. Bien, Curtis, c'est la nouvelle américaine? Oui, Hélène Curtis, toxicologie. Mais je vois que les nouvelles vont vite. Et notre partie de tennis? C'est pour la semaine prochaine. Et je le crains, moi aussi. Dis donc, ton patron, le congrès s'éternise. Elle est encore à Rio, mais j'espère qu'elle revient bientôt. Ouais. Pourquoi? Ça ne te plaît pas d'être le boss? Pas du tout depuis 5 minutes. Ciao. Salut. Oui, bien reçu. Terminé, merci. Commandant, un message de la compagnie. Que veut M. Saoussan? Spécimen de chacune des 4 cales, 2 kilos par sac passés au tamis. Comptez le nombre des insectes pour chaque kilo. Aussi la quantité de grains à varier. Une vraie partie de plaisir. J'imagine que c'est pour l'assurance. Karl, prévenez le maître d'équipage. Demande aussi qu'on fasse des photos de l'état de la cargaison. Là, vous allez pouvoir exercer vos talents, mon vieux. Monsieur Allaire, ça sera. Bonjour Gisèle. Ah, comme d'habitude, grillade et salade. Pas de beurre, pas de sel. C'est ça. C'est bien, monsieur. Merci Gisèle. Monsieur Allaire. Monsieur Allaire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci pour ce rapport sur le port tunisien. Vous l'avez déjà lu? Oui. Bravo. Je peux m'asseoir? Totalement. Je ne vois que des gens bronzés. Ça sent la rentrée des vacances. Et vous, vous n'en prenez pas? Moi? Ah non, certainement pas cette année. Voilà ce qui arrive quand on devient boss par intérim. Heureusement que c'est bientôt fini. Et vous? Ça va, les rapports avec les collègues? Ils étudient l'étrange création. J'espère que mon travail renforcera nos rapports. J'en suis certain. Vous en prenez? Non, non, monsieur. Ah bah, n'est-ce pas le docteur Robert? Mon nœud papillon? Oui, c'est Robert. Très gentil et très compétent. Et l'autre, celui qui prend les pilules? Qui lui dit bonjour. Ça, c'est Tormann. Il me rend l'effet d'un bloc de glace ambulant. Exact, c'est pas un rigolo. Mais vous le connaissez. C'est l'inventeur génial et méconnu des aliments synthétiques à base de pétrole. Ah oui. À l'époque, j'ai trouvé qu'on avait été injuste avec lui. Pourquoi? C'était tout de même une découverte remarquable. Oui, mais les gens ne se font pas à l'idée des steaks au pétrole. Alors il est un peu amer. Il se sent persécuté. Voilà, monsieur Allaire. Merci, Gisèle. Vous prenez votre eau minérale comme d'habitude? C'est ça. Dire que dans un monde privé de ressources, il sera prix Nobel. Nous sommes trop gâtés. Vous m'excusez. Le monsieur là-bas qui lit le journal, qui est-ce? C'est Juleski. Il ne travaille pas pour la BOA. On le prend... simplement en consultation. C'est une grosse tête en son domaine. Il a inventé le tanaton, un insecticide à base de phosphore très puissant. Elle est toujours seule parce qu'il est amoureux de sa femme qu'il a dû laisser en Roumanie. Oui, c'est ça. Hein? Mais comment vous le savez? Simple intuition féminine. Je n'en crois pas un mot. Bon, une des dactylos me l'a dit. Eh ben, faut que je me méfie plus de ma secrétaire. J'aimerais pas qu'elle vous raconte des choses sur moi. Karl, que dirait votre Lao-Tseu dans une situation pareille? Chaque chose a sa fonction inéluctable dans l'univers, je pense. Bon, je crois que j'aurais pu trouver ça tout seul. Hein. C'est pas la peine d'étudier le taoïsme. Oui, chaque chose. Je veux dire, les insectes aussi ont leur fonction dans l'univers, commandant. Bon, ben ça va, t'en es pas de rentrer, hein. Oh, t'as sorti ça? C'est dégueulasse. Un. Tiens, à droite, à droite. Deux. Encore un. Trois. Sur le bord, regarde, sur le bord. Ah oui. Quatre. Cinq. Six. Là, tiens, regarde. Sept. Huit. 9. Sous la main. Sous la main. 10. Je te lave. Il y en a 10 en sec, chef. Je récapitule. Alors, sac numéro 1, sur 1 kilo, 10 insectes et de nombreuses larves. Tiens, tiens, regarde, 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 tac! Ah! Arrête! Tu veux me tuer, toi! Ah, c'est un insecte! Arrête! Si je te le dis, regarde. On la regrette pas! Mardi 14 juillet, procéder à des prélèvements systématiques et le comptage des insectes. De 1 à 10 insectes par kilo, selon les cales. Pris contact direct avec le Caire et M. Saoussan. والموردون يؤكدون أن هناك قمح من نفس الكمية قد سلم لزبائن آخرين ولم يعترض عليه أحد والكمية الموجودة هنا بالمخازن ها ليس عليها أي عروض العدوى إذن ولكن لهذه السبب أيضا شركة تأمين تريد أن تعرف كيف انتقلت العدوى إلى السفينة هذه ليست مشكلتنا وضعنا القانوني سليم 100% تصرفوا أنتم معه ولا تنتظروا مني أنا أن أقوم بكل شيء هنا يا سيد سوسن والله باظت الشحنة يا رجل برافو تفضل يا سيدي مسؤولي بالBOA في جنيف حالا Pourquoi vous allez choisir la cheminée? C'est un bon soufflant. Je vous en prie, cela m'intrigue. Vous savez, je suis aussi diplômée en biologie et informatique. Quelle femme! Deux cafés, s'il vous plaît. Mais pour moi, la chimie, c'est un mystère. Toute notre vie est née de la chimie. Notre pensée n'est probablement que chimie. Tout n'est que de la chimie. Et l'amour. L'amour. Merci. Je ne sais pas. Peut-être de l'alchimie. Vous en voulez? Merci. Vous n'avez pas peur de grossir, vous? Prenez soin de vous, c'est bien. Non, je pense sérieusement, c'est bien. Oui? J'arrive. J'aurais eu 10 minutes de vacances. Merci. Un appel du Caire. Un certain monsieur Saoussan, oui. Formateur. Oui. Et vous avez pas oublié votre bip-bip. Je suis vraiment en dessous de tout. Merci, Janine. Heureusement que vous êtes là. Appelez-moi le docteur Robert, il est au restaurant. Et prenez ça aussi, merci. Passez-le-moi. Monsieur Saoussan, bonjour, c'est Allaire. Quelles sont les nouvelles? Mauvaise, la cargaison est foutue. Monsieur Allaire, je voudrais bien que vous en preniez livraison. À combien de jours de navigation votre bateau est-il des Yakas? Le temps se maintient une semaine, mais la météo a prévu un typhon. Si le bateau le rencontre, il sera obligé de ralentir. Monsieur Saoussan, si cela était nécessaire, pourriez-vous me mettre en contact directement avec l'Antinéa? Allaire, le bateau doit décharger la cargaison dans les délais prévus. C'est tout. Ne vous énervez pas. Demandez à votre commandant une description minutieuse de l'insecte. Cela est très important pour qu'on puisse déterminer le moyen pour le combattre. Et donnez-moi du temps. J'ai besoin du temps pour réfléchir. Je vous rappellerai. Réfléchissez vite, bon Dieu. Autre chose. Il y a combien de jours que votre bateau a quitté Montréal? Ça fait 30 jours de navigation. Bon, merci. L'emmerdeur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, pour un emmerdeur, c'est un emmerdeur. Et pour les insectes? C'est difficile de formuler des hypothèses. Mais si l'insecte s'est manifesté seulement 30 jours après le chargement, ça veut dire qu'il n'a pu naître que par des œufs déposés sur le blé embarqués à Montréal. Or, les entrepôts de Montréal ne sont pas contaminés. C'est bien mon avis. L'insecte vient des Yakas. C'est plus que vraisemblable. En tout cas, il s'agit probablement d'un insecte du type charançon propre au Wadi. Seulement, je me demande comment il a pu résister à tous les insecticides dans le port de chargement. D'habitude, ils sont liquidés par le bon vieux DDT. Oui, il y a plus grave que ça. Voilà. Si l'Antiné a été contaminé, pourquoi pas aussi tous les autres bateaux postés à Yaka? Excusez-moi, monsieur Allaire, j'ai réussi à joindre Rio. Oui? Le docteur Schiller est parti visiter le parc d'Iguassou avec la délégation. C'est impossible de le joindre. Il revient quand à Rio? On m'a dit pas avant 2 jours. Mon Dieu. Bah, il va falloir qu'on se débrouille tout seul, mon cher docteur. Ne partez pas, Jeannette. Mettez-vous immédiatement en rapport avec la division des transports maritimes et avec celle des épidémies, de phytopathologie et de pharmacie. Et Madame André? Oui, et le service des céréales. Convoquez immédiatement tous les chefs de service et convoquez aussi Mademoiselle Curtis de la toxicologie. Oh, mon cher Henri, vous ne pouvez plus vous plaindre de vous ennuyer. Ça, vous pouvez le dire. C'est insupportable! Commandant, ça pue en bas. Tout semble pourri. C'est impossible de tenir le coup. Dans la cale numéro 2. C'est pire. Il y a 3. Impossible d'y aller. Bon, Bosco, occupez-vous de lui. Bon, occupez-vous de lui. Aidez-moi à décharger ça. Oh, il y en a assez, hein. Ça suffit comme ça. On a marre. Oui. Allez. Allez, on y va. Allez. Mercredi 15 juillet, point midi. Latitude 3 degrés nord, longitude 74 degrés est, haute 42 degrés sud. Le nombre des insectes a pratiquement doublé. Les sacs présentent un aspect affaissé et des coulures de grains avariés apparaissent partout. Présence d'une odeur acide ou ammoniacale très désagréable. L'équipage montre des signes de mécontentement. Pris la décision de visiter le cale 2 fois par jour. Oui, c'est ça, sur moi. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Amenez-le à l'infirmerie tout de suite. Je préviens le commandant. D'ici 2 jours, on a une mutinerie à port. Tu crois encore? Tu dis des bêtises. Bah oui. Une vodka? Ouais, tu me dois déjà 5 bouteilles de whisky. Oui, oui, c'est ça. Oh putain, la flotte, ça schlaille. Toutes ces bestioles passent par le cycle habituel. Œufs, larves, nymphes et insectes complets. Parfois, le grain est attaqué par la larve. Celle-ci peut aussi vivre sur les feuilles. Et c'est alors l'insecte adulte qui détruit les grains. Dans le cas présent, il semblerait qu'il s'agisse plutôt de la première éventualité. C'est possible, mais dans tous les cas, les parasites sont toujours détruits avec les moyens que nous avons. Et ceci à toutes les phases de leur évolution. Ah, Tormann, vous voyez bien que cette contamination est tout à fait hors du commun. Cela fait des années que les récoltes de blé, d'orge, de seigle, de riz, de maïs, de sorgho sont parfaitement protégées. Vous connaissez le soin avec lequel mon service travaille. Oui, ce n'est pas maintenant. On le sait, Madame André, on le sait très bien. C'est bien pour cela que le docteur et moi, on est persuadés que l'infestation de l'antinéa n'est due à aucun des parasites connus. Ce n'est pas votre avis? Absolument. Tout est possible dans la nature, surtout dans les pays tropicaux. peut même assister à des explosions biologiques comme au premier temps de la Terre. Il y a une chose qui est absolument certaine. Il nous faut savoir qui est cet insecte. Donc il faut demander à l'antinéa de nous en procurer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut prélever ces spécimens de façon à ce qu'ils nous parviennent en bon état de conservation. En bon état? Il faut absolument que nous les ayons vivants. Et avec des larves. Et avec des grains contaminés. Et avec des photos du ravage qu'ils ont fait. Il faudra en plus que l'opération entre le prélèvement des échantillons et leur arrivée à Genève n'excéda pas 24 heures. Et en plus, il faudra tâcher de ne pas contaminer l'Europe. Sinon, on aura bonne mine. Plutôt mauvaise mine. Ouais. Excusez-moi. Vin d'Urer, je pense que c'est un jeu d'enfant pour toi de coordonner toutes ces exigences. Mais certainement. L'impossible n'est pas suisse. Il faut simplement que je trouve un navire à proximité de l'Antinéa, muni d'hélicoptères. Rien de plus simple. Ah, dis-moi, de quelle couleur tu le veux, l'hélicoptère? Je pense que l'on pourrait profiter de l'hélicoptère pour faire envoyer à l'équipage de l'Antinéa des différents types d'insecticides. Dans la pire des hypothèses, nous aurions la confirmation de leur inefficacité. Bien, bonjour, monsieur Servant. Ah, bonjour, mon petit poussin. Ça va? Que puis-je faire pour vous? Dites-moi, Allaire n'est pas là. Il s'est absenté pour la journée. Il sera là demain matin. Écoutez, Jeannette, aucun vice n'est beau. Mais le pire de tous, c'est le mensonge. Vous savez ça? On va leur parachuter aussi des rations de vivres. Comme ça, ils auront au moins l'impression qu'on ne les oublie pas. Surveillez, c'est votre département qui s'occupe des insecticides. Toujours à votre service. Très bien. Dites-lui que je suis en Tanzanie. Il y a autre chose, plus grave. L'Antinéa est contaminé. Ça, on le sait. Mais tous les autres navires qui font la navette avec Wadi. Je pense qu'il faut être prêt au pire. Et être prêt à suspendre les ravitaillements. C'est impossible. Il meurt littéralement de faim. Ce serait un génocide. Oui. Mais je suis forcé de prendre cette responsabilité pour éviter pire encore. En priorité, vous devez vous préoccuper que l'aide promise arrive à temps. C'est exactement ce que je fais. Oui. Vous ne semblez pas réaliser quel genre de responsabilité vous prenez. Vous marchez sur un volcan. Pour l'instant, il faut réagir. Ma carrière, je m'en occuperai après. Vous êtes encore trop jeune. Pas assez vieux. Allaire a raison. Le phénomène est susceptible de transformer les navires en foyers permanents de contamination. Ce qui veut dire que les bateaux doivent quitter immédiatement les ports pour la haute mer. Allaire a raison. Mais Tormann n'a pas tort. Allaire, tu seras attaqué de tous côtés. Gouvernement, armateur, assurance, organisation humanitaire et j'en passe. Je m'y attends. Jusqu'au retour du docteur Schiller, c'est moi qui prends des décisions. Ah oui, docteur Schindler, cela vous concerne aussi. Il est évident que toutes ces opérations doivent rester secrètes. Destination 2 ! Voilà, allez, allez, allez. Tiens mon pied, allez. 17 juillet, état de la cargaison. Pullulation d'insectes croissants, tentative de purger les cales par les ventilateurs. Malheureusement, nous n'avons réussi qu'à répandre des insectes à travers le navire. Les insectes ont également envahi les réserves. Renforcement des mesures d'hygiène alimentaire. Ah non, 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 non. L'équipage est de plus en plus mécontent. La salle des machines reste le dernier refuge sans insectes. Donne 125? Ouais. Bah, t'as pas assez de lumière. Pas assez de lumière. Combien tu paries? Bon, tu me fatigues avec tes paris. Salut. Salut. Il y a du nouveau? Oui. Un message de l'armateur de l'Antinois. La liaison avec le Lorraine a été établie. Quel est le point de rencontre? Environ 500 000 au sud du Cap Comorin. Cap Comorin. Bon, à l'extrême point sud de l'Inde. Oui, bon. Et le parachutage? Le Lorraine est parti de Ceylon. Pour les opérations de parachutage, c'est une question d'heure. Le conteneur pour les spécimens est déjà là-bas. Tu sais que tout le monde a été très efficace, hein? Une fois n'est pas coutume. Ah oui, il y a aussi 2 tonnes de vivres, de médicaments et des insecticides de toutes sortes. Nous avons ici le rapport presque complet sur tous les cargos engagés pour les ravitaillements. Et alors? 2 d'entre eux sont contaminés, comme l'antinéa. Dans un sens, c'est une bonne nouvelle. Ah bon? Vous trouvez? Ça prouve qu'on avait raison d'arrêter les approvisionnements pour le Wadi. Quelle est la position des navires? Attends, je vais te dire ça. Alors. Bon. Il y en a un au milieu de l'Atlantique, en provenance du Mexique. Et l'autre, près de Sainte-Hélène, en provenance de Bahia. Il y a d'autres cargos qui sont en train de charger? Ah, ça, je vais te dire. Si. Un à Marseille, un cargo turc. Les opérations de chargement ont été suspendues, mais il reprend la mer ce soir. T'as vu l'heure? On s'est endormis comme des cons. Je vais rester à terre, moi. Mais reste! De toute façon, tes parents vont rentrer. Ici, ton vieux de coince. Dis, l'Antakya reviendra quand à Marseille? Bon, je n'en sais rien avec ces Turcs. Donne un petit cadeau. 100 balles te suffisent pas? Oh, bah, tu m'avais promis un petit cadeau de Hong Kong, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça te plaît? Oui. C'est en argent. Ah bon? Puis regarde, M-A-L-I-K-A, Malika. Et ça? Ça? C'est Jules, c'est mon pote. Il est avec moi sur le bateau. Tu sais à quoi je l'ai dressé? Non. À te surveiller. Parce que tu crois que j'ai besoin d'être surveillée, hein? Ça. Non. Mais avec lui, je suis sûr de connaître tous les moindres détails. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Allez, viens. Tu sais bien que je peux pas. Faut que je te remercier. Je peux pas, merde. Oh, écoute, tant pis pour toi, hein. Salut. Salut. Je t'écrirai. Oui, oui. Monsieur, la journée était rude et longue, si on arrêtait. Ouf, je vous fais pas dire. Alors, bonne soirée. Faites de beaux rêves. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle Curtis, c'est Allaire. Oui, on vient de finir. Tout le monde est crevé. Eh ben, j'aimerais m'inviter ce soir chez vous. Manger un petit truc. Les œufs sur le plat, c'est très bien. J'apporterai du saumon. À tout de suite. Merci. Hey Carl! Oui! Je me dois une bouteille de vodka. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trop chaud? Je suis putain de bestiole, il y en a partout sur la passerelle. Bouche l'aération. Alors là, on a foutu. Le bateau en sera plein. Le commandant a demandé des volontaires pour descendre dans les cales. Ça m'étonnerait qu'il en trouve beaucoup. Tu as des nouvelles de l'hélicoptère? Il a donné 2 fois sa position, il devrait pas tarder à arriver. Tiens, regarde. Alphonse, non, non, Big. Tu es fou, tu vas nous faire cramer tous. T'as rien, il n'y a que le feu pour les détruire, c'est celle-là. Oh. C'est vrai que je me sens mieux. J'avais tout de même très très faim. À force de s'occuper de malnutrition. Mais j'avais pas seulement faim. Vous ne direz pas que c'était un vulgaire prétexte? Peut-être que si. Même si le prétexte n'était pas vulgaire. Mais vous me tranquillisez. Oh, je ne peux pas dire que l'idée de tranquilliser me plaise tellement. Vous êtes une personne inquiète. Je confesse, malgré les apparences, je suis plutôt une grande nerveuse. Mais la vie s'est chargée de me calmer. C'est de la chimie ou la chimie? Plutôt la chimie. Vous ne me pardonnez pas mes enthousiasmes. Mais bien au contraire. Je les apprécie beaucoup. Surtout que dans un organisme comme le nôtre, il est plutôt de bon ton d'affecter un scepticisme désenchanté. Mais je crois beaucoup à mon travail, comme à celui des autres d'ailleurs. Ça vient de votre éducation américaine ou c'est une démarche personnelle? Très bonne question que je vous remercie de m'avoir posée. Je crois plutôt que cela vienne de mon éducation protestante. Mon père est avocat en Nouvelle-Angleterre et ma mère est originaire d'une vieille famille du Sud. Ah, c'est elle? Oui, toute la famille s'adore. On n'a jamais eu l'ombre d'un divorce sur la famille. C'est une attaque directe? Non. Pour montrer que nous ne ressemblons pas à la famille typique américaine comme l'on s'y l'imagine en Europe. Eh bien, vos œuvres pourtant sont terriblement américains. Les œufs sont trop frits, le bacon est sec. Je suis meilleure chimiste que cuisinière, je sais. Là! Allô, porteur de Lorraine de l'Orchidea, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très mal. Nous apercevons votre hélicoptère. Présentez-vous, vous êtes bon. C'est prêt pour nous recevoir, vous pouvez y aller. Maintenez le cap. Descendez doucement. Attention à la dérive. Mais bon, on est en train de faire la manœuvre là, mais on a un petit problème de dérive, j'ai l'impression. L'hélicoptère est reparti comme un coup. Allô, continuez à... Recevez. Recevez. Désolé pour tout ce travail supplémentaire. Non, on s'arrête qu'on va faire monter. Vous parlez que vous êtes catholique. Oui, ça se voit tellement. Enfin, j'espère que le bacon à part, c'est par ça que nous séparera. Vous êtes de Genève? Non, je suis luxembourgeois, né dans les Ardennes. C'est beau les Ardennes? Oui. Très beau. Donc, vous savez, je pense que toutes les personnes qui habitent ici à Genève et qui travaillent dans les organismes internationaux finissent par se sentir mal dans leur peau. Elles se sentent déracinées, très loin de chez elles. Enfin, les problèmes de l'humanité pris dans son ensemble finissent par être théoriques, généraux et vides. Et tôt ou tard, tout le monde ici devient cynique. Vous êtes encore là? Oui. Tenez-vous à ce que je devienne cynique? Ah non, pas du tout, au contraire. On a besoin de vous, pour des gens fatigués, déçus. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, Hélène. Une maudite peur. Peur de me tromper. Peur de faire des faux pas. Vous vous rendez compte que c'est moi qui ai donné l'ordre d'arrêter les approvisionnements pour le Wadi? Qu'il y a des millions de gens là-bas qui risquent de mourir de faim, par ma faute. D'un côté, j'ai l'impression de ne pas avoir été assez loin. Et de l'autre, d'avoir déclenché tout un processus de rumeurs alarmistes. Vous avez une responsabilité à prendre. Vous l'avez prise, c'est bien. Bien sûr. Vous avez raison. Il faut que j'arrête de me plaindre. C'est ridicule. On dit que c'est normal. Heureusement que vous n'êtes pas une machine. Il ne faut pas que je vous embête avec mes angoisses de fonctionnaire. Bon, il est tard. Je vais rentrer. Merci pour les œufs. vous avez une urgence, n'hésitez pas à m'appeler. Préparez-vous! Prêt! Vous m'entendez, commandant? Parfaitement. Les volontaires sont prêts. Ouvrez les cales. Ouvrez les cales. Descendez l'échelle. Plus vite l'échelle. Les lumières. Ouais. Tout de suite les lumières. Doucement, doucement. Ici. On est capable de porter volontaire. J'ai parlé avec le cuisson. Eh merde. Vous travaillez quoi? Sa collection de Playboy. Envoyez la valise. Descendez, descendez. Encore. Plus à gauche! Alors, éclaire-moi, mon temps! Dieu. Carl, répondez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il croit quelque chose. C'est pas les fonds. Remontez vite. Remontez, allez, remontez-les. Remontez! Remontez vite! Allez, attrape-le, là! Bon, aidez-le, merde! Je le tiens! Doucement!